0,85, 0,86, 0,87, 0,88. Stop! Daj prve. Dobro, da nastavimo. Si bio u bioskopu? 0,85. Ko ste imao sam bioskop? 0,86. 0,87. Šta je bilo? 0,88. Dobro mi se onaj mali. Branko! Da? Da krenem s teškom vodom. Moment. Krenulo. Može. Može. Daj mi brojeve. 0,85. Da. Docteur, comment va se passer la crève de moelle? Eh bien, nous allons prélever 300 centimètres cubes de moelle. Et cela en faisant une trentaine de ponctions sur les os du bassin et le sternum. Alors, après chaque prélèvement, on met une goutte sur une lamelle et Franck calcule le nombre de cellules. En tout, il en faut une dizaine de milliards. Sinon, la greffe ne prend pas. Et après chaque ponction, aussi vite que possible, on passera la seringue à Berton qui l'injectera. En effet, il suffit d'injecter les cellules de moelle dans le sang. Car par un tropisme très particulier, après un passage dans les poumons, elles vont là où elles doivent aller, c'est-à-dire dans la moelle osseuse. Monsieur, tout est prêt. Bien. Bon, on peut y aller. Oui, monsieur. Seringue.
plomb. Comment ça? Vite. Vite. Bonjour. Raymond Cuvelier. Marcel Pavillon. Vous aussi, vous avez donné de la moelle? Ah oui. Ouais. D'après vous, c'était pour des gosses? Ah oui, je crois. J'avais déjà failli une fois. C'était pour un petit leucémique. Et moi aussi. Le docteur Franck m'avait fait visiter le dortoir des enfants leucémiques. C'était affreux. J'en ai vu de drôles dans ma vie, mais... Des petits mômes qui n'ont plus de cheveux, qui jouent, qui vont mourir. Ah ouais, quand on a des enfants... Ouais, si on peut faire quelque chose, vraiment, ça vaut la peine. Et votre femme, qu'est-ce qu'elle en pense? Ma femme? Je sais pas. Je lui ai dit que j'allais donner du sang et puis que je serais peut-être pas là pour déjeuner. Je voulais pas l'effrayer. Puis si elle m'avait posé des questions, j'aurais pas trop su quoi lui dire. Ça semble marcher. Oui, oui. Tenez, regardez la courbe de globules blancs de Vlada. Pratiquement, de zéro, les granulocytes sont montés à 3000. Mais pour Stevo, c'est pareil. Et pour le moment, aucun signe de maladie secondaire, mais enfin là, c'est encore un peu tôt pour faire un pronostic. Bien sûr. Ah, j'espère que pour Vlada, c'est pas trop tard. C'est une occlusion intestinale, n'est-ce pas? Oui. Il faudrait l'opérer, mais il supporterait pas l'opération. C'est bien votre avis, Tréguier. Oui, oui, oui. Et puis, il faut s'occuper de ce trou duré qui devient inquiétant. Mmh. Et si avec ça, il faudrait pouvoir tenir quelques jours. Bon, Marich, il faut vous reposer. Hein? Mais si, je vous remplacerai. Le taux d'urée de Vlada ayant atteint 4 grammes par litre, nous avons décidé de le transférer à Necker pour le mettre en rein artificiel.
Madame Bémont? Oui, monsieur. Où est passé Vlad? Il a été transporté hier soir à Necker. Ils ont tout essayé, mais il est mort à 5 heures d'une hémorragie pulmonaire. C'était sans doute inévitable. Dobro spavali? Ne. Skoro nisam spavala. Stalno sam se znojila. Imam neke bolove u stomaku. To je normalno. Uskoro će biti mnogo bolje. Mislite? Kako su oni? Dobro. Dobro su podneli presađivanje. Čak i Vlada? Da. Da. Samo su nastale neke male komplikacije, pa su ga prebacili u drugu bolnicu, da bi ga bolje lečili. A ja? Sve ide kako treba. Vi ste na redu sutra, u isto vreme kad i Branko. Les courbes et les résultats de la ponction faite par Tréguier sur Stévo montrent que l'évolution est tout à fait normale. Le nombre de plaquettes et de globules blancs est devenu comparable à celui d'avant l'accident. Milena a très bien supporté la greffe. Branko aussi, enfin un peu moins, il a eu un accès de fièvre. Mais rien de grave. Oui, je viens de passer le voir. Il est retombé à 38. Ah bon? Bien que les risques de maladies secondaires ne soient pas complètement écartés, je pense qu'il faut continuer. Franck, vous avez encore un donneur à nous proposer? Oui, oui. Alors, demain, 20h pour Goran. Et alors, il ne restera plus que Branislav. Mais il n'en est pas question. Je sais bien. Mais maintenant, il va plutôt moins bien que Stevo. Il se sent brimé. Ah bon? Bon, le donneur est là? Oui, oui, monsieur, il est là. Il est là? Comment, c'est vous? Finalement, je n'en ai pas trouvé d'autre. Alors, j'ai voulu vous faire la surprise. Bon. Tout est prêt? Oui, monsieur. On peut y aller. Zahvaljujući odličnoj igri navalnih igrača Fontena i Piantonija, odbrana Liona bila je stavljena u bezizlaznu situaciju. Doktore, ja vas i ne pitam, a naša zvezda je još uvijek prva. Nego šta? Prošle nedelje pobedili smo Zagreb u Zagrebu s 3-1. Doktore, je li Šek igrao? Kažu da je Šekularac igrao odlično. Ali im vera. Doktore, ja bih volio da upoznam svog davaoca. Upoznat ćete ih uskoro. Znaš, morali smo da čuvamo tajnu, da ne bi bilo nezgodno. Čak i od davalaca. A Vlada, kako se on osjeća? Još uvijek on je krenuo, ali osjeća se mnogo bolje. Ja bih želio da mu napišem nekoliko reči, pa ako vam nije teško da mu odnesem. Da, da. Biće mu drago. I onako se osjeća malo usamljen tamo. Hajde, sad se odmorite malo. Navratit ću kasnije. Vous avez vu, monsieur? Cinq savants yougoslaves radioactifs. Radioactif. N'importe quoi, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait? Depuis ce matin, j'ai eu plusieurs appels de journalistes. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Conférence de presse. Allô, oui? Oui? Qui? Non, 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 je ne suis pas là. Entrez. Ah, Marie, regardez. Regardez-moi ça. Marie, je suis navré, vous savez, je vous avais promis de conserver le secret. Vous n'y êtes pour rien? C'est pas drôle pour moi non plus. Maintenant, on va avoir toute la presse sur le dos. Et si on échoue?
Mais non, mais il est là chez moi. On est là chez moi. C'est un photographe. Il est chez Milena. Il a pris des photos de Milena. Oui, alors? Vous êtes un criminel, monsieur. Ces malades sont dans des chambres stériles, vous vous rendez compte? Allez, suivez-nous. Enfin, comment vous êtes entré ici? Qui vous a autorisé? Qui vous travaille? Rendez-vous. C'est vous Goran? Non, j'ai déjà. Ah, déjà? Merci. Bon, eh bien, cette petite fête est improvisée. J'avoue que nous n'avons appris qu'hier la date de votre fête nationale. Chin-chin. Alors, à tous. À la santé de nos d'honneur. Voilà. Santé. Doktore, kada ćemo upoznati naše davaoce? Još ne. Ali sad već mogu da vam dam njihove adrese. A i oni već znaju. Pa da, tim pre što sobe više nisu sterilne. Za koji dan odobrit ćemo posjet? Živo sam primac, ja. Ne, ne. Il est comment mon donneur? Ah, monsieur Boutin? Oui. Je le connais pas beaucoup, moi. C'est Franck. Non, merci. Franck l'a vu plus souvent. Mais enfin, c'est un homme pas très grand. Très grand? Non, pas très grand. Une taille moyenne, une moustache, et il est très sympathique. Il est calme. Ah, pourquoi? Pourquoi... Il a donné Saint-Moal. Il l'a fait très simplement, comme les autres, parce qu'il devait le faire. Allez, santé. Évidemment, vous êtes toujours optimiste. C'est vrai, mais j'ai toujours pensé que les choses, ça va s'arranger. Au moment d'accident, je n'étais pas du tout en panique. Je pourrais expliquer à Dr. Marich tous, en précise, tous. Je sais, il m'a tout dit. Ça lui a été très utile. Alors, mais pourquoi j'ai réagi comme ça à l'avion? Vous avez écouté ça? Les autres vous racontaient? À ce moment, j'avais terriblement mal à la tête et l'avion bougeait beaucoup. Et à ce moment, j'étais sûr, j'étais certain que je vais mourir. Et je voulais sauter d'avion. Docteur. Vlada mi još nije odgovorio. Ne. Bio je vrlo umoran. Ali znao je da ćemo večeras biti svi ovdje i rekao mi je da vas sve poljubim. Hvala. Merci. Adieu. Merci. Od kjeve. Oba odanke. Otac mi se šlogirao. Laž. Qu'est-ce qui vous arrive? Mon père est devenu complètement paralysé. Il était malade et... Il ne savait rien parce que je n'ai rien dit. Il pensait tout le temps que je suis à... séjour ici. Stage. Et il a pris tous par le journal. Ils ont écrit que nous sommes bombardés des rayons et il était choqué. Il est tombé tout à fait paralysé. Mais personne ne devait en parler.
pas de signe cutané de maladie secondaire. Ça va très bien. Vous aurez encore quelques douleurs abdominales et des moments de fatigue, mais dès maintenant, vous êtes en convalescence. Merci, docteur. Docteur, pensez-vous, il n'y a plus de risque de maladie secondaire? Non. Non, cette greffe a fonctionné à fond pendant plus d'un mois. Délai pendant lequel les cellules de moelle osseuse qui restaient après l'irradiation ont suffisamment proliféré pour commencer à repeupler la moelle. Alors, progressivement, les cellules du greffon vont disparaître. Et le malade qui a vécu avec le greffon, autant dire avec le sang du donneur, vivra dans quelques semaines avec son propre sang. Et pour ce qui est de la greffe, comme elle est provisoire, il n'y a aucun risque de maladie secondaire. Et pour les autres, ce sera pareil. Ah, il faut attendre une bonne semaine pour se prononcer, mais j'ai bon espoir. Dans ce grand malheur qui nous est arrivé, une lumière est apparue. Une lumière pleine d'humanité et digne d'admiration. Le sacrifice de l'homme pour l'homme. Vous êtes cet homme qui avait sauvé la vie de mon fils en exposant la vôtre au danger. Je crois que vous pourrez nous comprendre si je vous dis que dès aujourd'hui j'ai trois fils. C'est vous qui êtes mon troisième fils. Vous, mon fils en France tant aimé. Mon fils, mon cher fils Pavion, nous t'attendons avec beaucoup d'amour ainsi que nous attendons Stévo. La porte de notre maison est grande ouverte pour toi et ta famille. Je t'envoie mes meilleures amitiés et celles de ma femme. Tes parents reconnaissants. Vous venez? Ils vous attendent. Comment ils vont? Très bien. Je sais pas pourquoi, je me sens gêné. J'appréhende un peu. À la santé. Donnez d'honneur. Ta barbe repousse. Oui, mais j'aime ma barbe et mon cheveu aussi. Excusez-moi, avais-tu une cigarette? Hein? Tu sais, Vlada, j'aurais bien aimé qu'il vive. C'est bête, mais j'aurais eu comme un frère, quoi. Vous savez, maintenant, nous sommes votre frère aussi, moi et mon camarade. Tu comprends? J'ai fait des erreurs dans ma jeunesse. Et j'étais en maison de correction. Après, j'ai fait de la prison à Fresnes. J'ai fait du mitard. Du mitard, c'était très dur. Quand cette justice m'a laissé aller, j'avais pas de papier, pas de carte d'alimentation, j'ai refait des erreurs. C'est un voyou. Après, j'ai compris, mais j'ai continué à payer. Tu vois, le mois dernier, il y avait des élections. Ben, j'ai pas le droit de voter. Alors, j'accompagne ma femme, j'ai l'impression que c'est moi qui vote. Les enfants, ils savent rien, ça. Ils pourraient pas comprendre. Et ça me poursuit, tu vois.
À part ma femme, j'ai personne à qui raconter tout ça. Tu comprends pourquoi? Oui. Oui, oui. Sur le crâne de Soran. Je viens de voir. Oh.